Nous retrouvons nos investigateurs qui vont se lancer sur les traces d'une étrange disparition à Londres. Quel est le rapport avec ce qu'ils ont vécu précédemment? C'est ce que nous allons essayer de découvrir Et le avec eux. dimanche au matin, vous avez trouvé un article qui dit qu'un homme disparaît dans un nuage de fumée. Ok, à vous. On avait prévu un point de rendez-vous pour nous ou pas? Je me souviens plus comment on s'était quitté un peu. Je ne crois pas. Non, je pense pas, non. Je ne pense pas. Parce que ça m'étonnerait que Gladys lise le journal, c'est que je vous dis. Ouais, moi c'est pareil. Bah, forcément, je suis tombé dessus. Ok. Le nom de Monsieur Smith m'a mis la puce à l'oreille. Après, on peut dire que vous vous retrouvez dans un restaurant à côté du. Enfin, vous êtes plus ou moins censés partir ensemble à partir de maintenant. Enfin, vous avez pris. Donc on suppose qu'on s'était donné rendez-vous à midi, du coup. Vu que la nuit, on l'a passé oui, dehors. Bah oui. On se retrouve un peu plus tard. Ça. Pour discuter un petit peu, peut-être, de notre épopée de la nuit et voir ce qu'on a l'intention de faire. Et pour bruncher. C'est ça. Ah, ça va, c'est dimanche. C'est un bon jour. Maintenant, alors, pour parler de l'Orient Express et prendre la route de l'Orient Express, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'aller dans l'Orient Express, il faut rejoindre Paris. L'Orient Express, à Londres, tu ne l'as pas. Ok? Donc, en gros, ce que vous savez, c'est que vous avez le premier train qui va rejoindre Paris pour après prendre l'Orient Express. Alors, si je reprends, hop, il ne part pas avant... il ne part pas avant jeudi, ok, le jeudi 11. Et après, il y en a d'autres, il n'y en a pas qu'un qui part. Donc même si vous voulez partir plus tard que le 11, rien ne vous empêche, ok. D'accord. C'est des Orient Express, il y en a plusieurs qui partent. Hein. Dans, vous faites quoi? Vous avez prévu quoi? Vous faites quoi? Comment ça se passe? Quelles sont vos pistes? On dit qu'on s'est donné rendez-vous, donc un... Ouais, on s'est donné rendez-vous pour manger ensemble, donc on se retrouve voilà. Tous à notre lieu de d'accord. Rendez-vous, qui est, je suppose, un petit restaurant très sympathique, quelque part, okay. Dans Londres. Très confidentiel, donc nous ne dévoilerons pas le nom ici, ce soir. Déjà, je voudrais vous montrer l'article de journal que j'ai vu ce matin, qui est quand même assez troublant. Par rapport à ce qu'on a trouvé dans les livres de comptes hier, à sujet de d'un certain monsieur Smith qui aurait acheté ce jouet dans cette boutique de Londres. Je fais lire à mes comparses l'article sur l'homme qui disparaît dans un nuage de fumée. Ah, c'est dommage, hein, parce que ça aurait été une bonne piste. On avait parlé d'aller le voir justement, mais oui. Compliqué. Ça vous dirait pas d'aller jeter un petit coup d'œil pour voir si ce qui s'est passé, parce que c'est quand même très très troublant comme affaire. Et peut-être a-t-il de la famille. Dans l'article, il parle de sa logeuse. Oui, au moins s'il y a eu un témoin, peut-être recueillir le témoin, le véritable témoignage et non pas. Est-ce que le journaliste en a dit? Oui, on ne sait pas, c'est pas quel travail il a été effectué derrière. Hein, donc, C'était un collectionneur de trains, hein, d'accord. C'est ça, oui. Un passionné de trains. Oui, non, mais ça serait intéressant d'aller voir. De toute façon, même si on voulait partir vite, le prochain train, il n'y en a pas avant. On a tout à fait le temps d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Oui, on a 3-4 jours pour mettre en ordre nos affaires et puis... puis voir un petit peu cette affaire qui est quand même très troublante après tout ce qu'on a vu ces derniers temps. Je pense que ce serait intéressant de creuser un petit peu là. Ok. Qu'en pense notre Reggiani? Ouais, si, j'approuve. Attendez qu'on n'a pas trop d'infos même sur Mekriat au final. C'est assez maigre. J'ai pas très loin apparemment, c'est dans le quartier de Stoke.
Stockton-Newington. Ouais. Donc. Vous voulez. Juste un truc, on avait pris le livre de compte. Ouais. Il me semble que oui. Ouais, il me semble que tu l'avais pris, ouais. Ok, bah à l'occasion, quand j'ai lu ton livre, je me pencherai dessus un peu pour. Alors, le. L'espèce de lieu où il habitait, c'est à Stockton-Newington, c'est ça. Vous voulez y aller dans ouais, la famille, ça, en oui. fait hein Oh bah après le ouais, brunch, je pense qu'on peut aller faire un tour en banlieue. Alors, attends, je pense que je l'avais sur le plan. Hop là. Alors c'est où ça? C'est pas ça. C'est plan de Londres. Ça. Hop. C'est dans le nord, à East, vers en tout, au-dessus de Islington. Oui, dis donc. Oui, donc le truc, la chambre d'Orange Stanley. C'est bien ça, d'accord. Donc je sais pas si vous le voyez. Tout au nord, oui. Du coup, ouais, c'est au nord. Oui. Donc vous y allez tous ensemble ? Oh, non, vous avez des affaires à régler ? Non, moi j'ai du temps libre, je peux. C'est bon, ça me pose pas de problème. Ouais, bon, pareil. Ok. Cette affaire a l'air passionnante. Ok. Alors, en fait, vous arrivez devant une maison qui paye pas de mine. C'est un petit hôtel où il y a plusieurs chambres et quand vous arrivez à l'adresse exacte de Stanley, il y a une dame qui sort d'une chambre qui ressemble un peu à ça. C'est pas qui ressemble un peu à ça. Donc c'est une assez vieille dame qui a l'air qui a les mains toutes calleuses, qui a l'air d'être avec les murs en fait. Si on voit ce que je veux dire quoi. Elle vous regarde, elle vous dévisage. Oui, vous cherchez. Je suis la logeuse d'ici. Je m'appelle Constance Atkins. Vous cherchez quelque chose ? Est-ce que... Eh bien, nous cherchons Monsieur Henry Stanley. Ah. On nous a dit qu'il habitait ici. Il a disparu. Mais bien sûr, je fais même visiter les lieux du crime. Les lieux du crime ? C'est un crime, madame. Dans quelles circonstances il a disparu ? Il est apparemment il est rentré. Enfin, moi, tout ce que je sais, c'est que il est rentré à 4h à temps pour le thé. Apparemment, il était tout excité d'avoir acheté une nouvelle maquette de train. Vous vous rendez compte ? Un homme de son âge qui est excité sur une pauvre maquette de train, quoi. Il est monté dans sa chambre à 7h et je l'ai plus jamais revu. Il vous avait entendu quelque chose. Il a pas pu quitter la maison. Enfin voilà, il a pas pu quitter la maison sans traverser le couloir. Je l'aurais vu. Et après j'ai entendu un cri et puis un drôle de chambard. Ça a fait un drôle de bruit. J'ai été directement frappé à la porte de son meublé, mais voilà, il était plus là et la chambre était pleine de fumée. Et ce qui est en plus bizarre, c'est que la fenêtre était close et fermée de l'intérieur. C'est quand même assez étrange. Est-ce que vous avez entendu comme bruit ? C'est quoi le bruit que vous avez entendu ? Je ne saurais pas vous le décrire. C'était un bruit sourd, comme si on déplaçait plusieurs meubles en même temps. Ça fait un de ces baroufs. Et vous disiez que vous faisiez visiter sa chambre alors ? Ah oui, pour un petit pécule. Donc je me retourne vers lui. Je pense que nous allons profiter de la visite. Puisque nous sommes là. Je lui tends un petit billet à Madame Atkins en lui disant que ça nous ferait très plaisir de pouvoir revoir les lieux où Monsieur Stanley vivait. Ah bah très bien. Merci. Tu vois qu'elle prend ton billet. Et puis bah, elle vous emmène devant sa chambre. Et dessus, vous voyez une pancarte marquée chambre à louer.
Elle perd pas de temps. Ah bah non, Madame Atkins, écoutez, moi je m'occupe d'ici, j'ai besoin de rembourser, j'ai besoin que ça rentre, hein, je vais pas vous le cacher. Hein. Que faites-vous de ces affaires? Bah je les ai mis de côté, des fois que sa famille vient en chercher. Est-ce que vous auriez, un exemple, l'exemplaire du train dans ces affaires? Du moins ce qu'il en reste. Non, parce que c'est la police qui a pris le train. Ah d'accord. Pour aller chercher, voir s'il n'y avait pas quelques artifices ou si elle n'était pas piégée ou. Hein. Mais allez-y, rentrez. Maintenant vous avez payé, je vous en prie, rentrez. Ou en fait. Il faut en avoir pour notre argent. Ah bah oui, vous allez voir, oui. Alors. Là. Vous rentrez en fait dans une espèce de chambre, donc c'est vraiment des réduits. Hein. C'est tout petit. Qui bordel. Ouais, c'est surtout petit, c'est ce qu'on appelle un garni classique avec un lavabo où il n'y a pas d'eau chaude. Semblable à tous ceux utilisés par des célibataires. C'est, les murs sont percés d'une porte à l'est et d'une fenêtre à l'ouest. Apparemment, l'occupant s'intéressait visiblement beaucoup au train. La pièce déborde de livres et d'images sur la mécanique, les projets et les histoires des chemins de fer. Curieusement, vous pouvez remarquer une fine couche de suie sur le dessus de certains objets, ainsi que des traces noires au plafond, allant du nord-ouest au sud-est. Le papier peint est gondolé par endroits comme sous l'effet, enfin comme s'il avait été mouillé, on va dire. Ouais, ouais. Vous pouvez me faire un toc, hein, parce que Reggiani avait l'air de faire des tocs de partout. T'avais fait ta chance ou t'avais été déco avant, Lael? J'avais fait ma chance. Non. Ça, j'ai c'est réussi. J'ai réussi. Aussi. Voilà. Oublie pas de cocher. Ah oui, c'est vrai. Donc vous êtes un... hop, vous quatre. Donc toi, t'as réussi. Malheureusement, t'as réussi. Ouais. D'un point. Il n'y a que toi qui as réussi. Ah non, il y a Reggiani. Non, moi aussi. Non, mais vous avez des scores assez exceptionnels en toc, hein, certains. Oui, c'est pour ça que ça ne marche pas. Fantasy Ground, il n'aime pas. Alors, vous êtes, c'est vraiment tout petit, vous êtes à 4 là-dedans, plus la petite dame Atkins qui vous attend dehors sur le palier. C'est vraiment petit comme truc. Hein. Donc, toi, en fait, tu vois, les autres ne le voient pas, mais toi, tu vois de longues taches parallèles sur le motif floral du tapis. Tu remarques qu'elles sont aussi orientées du nord-ouest au sud-est. Est-ce que tu peux faire un jet de connaissance connaissance. Edu. Ouais. Ouf. Alors. J'avais des chances de réussir. Dans ton enfance, t'as joué au petit train et tu sais que les modèles réduits et tout ça, ça a des espacements de rails qui sont bien définis. D'ailleurs, pour la petite histoire, si vous le savez pas, c'est les espacements de rails, c'est encore les chariots de merde des mines. Pardon, des mines de quelque chose. Non, l'espacement de rails des. Putain, vous allez apprendre un truc. Attention, la minute. C'est encore l'espacement que t'avais entre les roues des non des bien avant tu sais des chariots des ah putain des trucs des romains là ça vient des romains en fait des chars romains voilà putain c'est les chars de guerre là l'espacement c'est des rails des trains c'est comme ça on en apprend tous les jours. Donc toi, t'as appris ça quand t'étais gamin, parce que tu t'amusais, tu t'intéressais un petit peu au train. Et les traces que tu vois sur le motif floral du tapis, en fait, elles sont aussi orientées nord-ouest et sud-est. Et tu vois que leur largeur correspond à peu près à l'espacement des rails de chemin de fer.
mais d'un vrai chemin de fer. Audio. En fait, cette, avec ton, on va dire, avec ton critical succès, t'as l'impression qu'il y a un train qui est passé dans la chambre, en fait, en gros. Qui aurait roulé sur le mur, quoi. Sur le mur. Sur le mur, pas sur le sol, mais sur le mur. Et dans quelle direction? Nord-ouest-sud-est. Donc l'écartement est réel, c'est pas réel. D'accord. Donc tu te dis, c'est, tu, bah, tu te dis, je suis en train de rêver, parce que c'est pas possible qu'il y ait eu un train qui arrive dans cette, cette baraque. Ou alors le mec était tellement fanat des trains qu'il a dessiné des traces de trains à l'écartement réel, tu vois. Non, ouais, d'ailleurs, elles sont faites comment ces traces? Je scrute un petit peu. C'est de la suie. C'est de la suie, du noir s'attache. Si c'est de la peinture qui a été mise par-dessus? Non, non, ça ressemble étrangement à la vraie suie. Ah, de la suie. Comme. Ah vache. Comme si le train était rentré sur le mur. Et... Alors, excuse-moi. C'est pas sur le mur, c'est sur le tapis, sur le motif floral du tapis. C'est au sol. Excuse-moi. Ouais, sur excuse-moi. Le tapis. Ouais, ok. Sur le sol. Et il y a quelque chose qui a été bougé. Pardon. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est juste. Ça prend toute bah, la quasiment, pièce. Quasiment, ouais, en fait. Quasiment, ouais. Mais bizarrement, à cet emplacement-là, sur le tapis, il n'y a rien. Vous voyez qu'il y a du bordel, que la pièce est petite et tout. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de papier, il n'y a rien à cet emplacement-là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien parce que ça a été bousculé. Imaginons qu'il y a un train non, qui a rien qui est... Il n'y a rien de bousculé. Je dirais que les meubles ont peut-être été bougés pour pouvoir installer le mini-train à cet endroit-là. Il n'y a rien qui a été mis sur les côtés ou tout. Ou quoi. Mais alors après, peut-être que c'était comme ça d'habitude. Mais... Voilà, en fait, la disposition de la pièce fait qu'il n'y a aucun meuble qui est voilà, sur c'est ces ça. Traces. En fait. Il n'y a pas de mini-train. Hein, pardon entendu. Non, il n'y a pas de, non, y a pas de mini-train. C'est la petite Atkins vous a dit que c'est les flics qui l'avaient emporté. Ah, d'accord. Et il y a longtemps, après l'incendie Après la disparition? Non. Ils l'ont emmené tout de suite, quoi. Donc, ils l'ont emmené tout de suite au commissariat. Donc, il doit être au commissariat de quartier, je pense. Ouais, d'accord, après l'incident, ils ont emmené un... D'accord. Ah oui, parce que t'étais pas là, mais en fait, la logeuse nous a dit qu'elle s'en est rendue compte tout de suite, elle a entendu du bruit, de suite, elle est allée voir ce qui se passait. Donc je suppose que la police est arrivée pas très longtemps. Ah bah oui, tout ça, ça a été fait sur le... Voilà. Le soir, en fait. Ça a été fait directement dans le même temps. D'accord. Tout juste. Mais alors, c'est un petit... Comment tu as dit? Un petit cosy? Non, pas un cosy. Un petit appartement. Ouais, c'est un petit meublé, en fait. Donc, il est... en fait, l'emplacement des rails, des pseudo-rails ensuite, prend toute la place, quasiment, ou peut-être le tiers. Ah, mais il prend quasiment toute la place entre les deux, ouais, entre la rangée de meubles et le mur, quoi. À dire que sur la photo que tu vois là, tu vois une trace de rail au pied de la chaise, et ça va jusqu'au mur de l'autre côté, et voilà. Ah oui, je connais surtout. Il y a des traces de combustion sur les murs, il me semblait, sur le papier peint, c'est ça? Pas des traces de combustion, c'est le papier peint vous semble humide. Humide, de quel côté? Nord-ouest ou sud-est? Toute la pièce. Toute la pièce. Humide. Et il y a peut-être des livres aussi qui seraient humides, des feuilles de papier. Ouais, quand les premiers livres ou les premiers papiers qui sont posés... vous pouvez sentir c'est comme s'ils étaient restés un peu dehors, on va dire. Un peu dehors sous la. Enfin, d'accord. Ils sont pas trempés, mais. Ouais. Au toucher du papier, ouais. D'accord. Au toucher du papier, Reggiani, il dit, on dirait que ça a trempé un peu. Et le sol, il est humide aussi? Un petit peu, ouais. C'est comme si vous avez l'impression d'être. Comme si la pièce avait été dans une espèce de sauna, on va dire. Tu sais, tu sens l'humidité en fait, qu'il y a pompiers, dedans, non en fait. Oui, tu dis? C'est les pompiers qui sont intervenus et qui ont éteint l'incendie. Il n'y a pas d'incendie ici. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas eu d'incendie. Non, il est parti dans un nuage de fumée, mais c'est une expression. D'accord. Elle, quand elle est arrivée, il y avait un nuage de fumée, mais pas d'incendie. Ah oui. Elle est encore là, ouais, elle est en train de balayer dehors en vous regardant plus ou moins. Madame Atkins, le nuage de fumée que vous avez vu, c'était un nuage plutôt de vapeur d'eau, de fumée, de combustion.
on aurait dit ouais, on aurait on a... je saurais pas trop vous expliquer parce que c'est parti assez vite, mais on aurait dit de la fumée blanche en fait, ouais. C'est pas comme si quelque chose était en train de brûler. Ah, comme un gros brouillard. Ouais, plus, ouais. Oh, mais c'est le fog londonien, rien d'extraordinaire. Le fog londonien à l'intérieur avec les fenêtres fermées, bien sûr. La fenêtre était fermée quand même, mais bon. Ouais, ça s'infiltre. Ah oui. Ah ouais. Oui, c'est perturbant, c'est rail quand même. Au milieu d'un appartement, oui, c'est un peu perturbant, effectivement. Ah voilà, comme... il était fan de train, donc peut-être qu'il les a dessinés, moi je sais pas. Hein. À part balayer dehors. Hein. Vous avez fini? C'est vous qui faisiez le ménage dans sa chambre ou... Bah oui, c'est moi qui le fais, c'est moi qui vais bientôt le faire, oui. Vous n'avez jamais remarqué ces traces auparavant? Non, madame. Mademoiselle. Très bien. Est-ce qu'il a des papiers sur le bureau? Je vois qu'il y a des trucs là. Est-ce qu'il y a des... Ouais, c'est des trucs, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est des livres sur l'histoire des chemins de fer ou des livres d'images sur la mécanique. Est-ce qu'il n'y a pas un livre d'ouvert ou sur... qui est mis de côté par rapport aux autres? Non. Non, c'est... Non, t'as pas... T'as pas de livre plus mis en avant que d'autres, on va dire. Après, ça reste des livres banals que tu peux trouver en bibliothèque, hein, tu vois bien, enfin, c'est pas... Okay. Oui. Et mais puisque Monsieur Ian Stevens a l'air de s'y connaître en train, le modèle du petit train que... Comment il s'appelle déjà? Monsieur Stanley avait acheté... Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'était un objet très rare ou il avait une particularité? Est-ce que vous auriez des souvenirs de votre enfance, du coup? Qu'en dis-tu à Bolas? Alors, moi, j'en dis que toi-même, tu ne serais pas le dire, mais tu sais qu'il y a des associations, des conneries comme ça, des fans de petits trains qui pourraient peut-être te renseigner. Bah, le London Transporter Association, par exemple. Cité dans l'article. Par exemple. Ah oui. Sachant que la dernière nouvelle, ils ont dit que le train était dans le commissariat de quartier. Mmh. C'est la petite Atkins qui vous a dit. Oui, donc c'est pas très long, on peut faire un saut. Et pourquoi la police a embarqué un train miniature? Bah, parce qu'ils voulaient vérifier qu'il n'y aurait pas été piégé ou qu'il n'y aurait pas eu un truc dedans. Oh. Ah oui, donc à la place du monsieur... Ils bah, ont oui, voilà, ils ont retrouvé un train à la place du monsieur et c'est le seul nouveau truc qu'il avait depuis peu. Donc ils se sont dit que peut-être que... Même la logeuse, elle en a fait mention en fait. Elle nous a dit qu'il est rentré avec son train, il était tout content. Donc si elle en a fait mention ouais, aussi puis, à la police... Puis elle vous dit carrément que de toute façon la police l'a emporté parce que l'appareil électrique, donc c'est un petit train électrique, aurait été potentiellement la seule chose qui aurait pu blesser Stanley. D'accord. Ça pourrait correspondre au train qui a été vendu dans la boutique. Oh bah alors là, après... C'était qui? C'était vendu à Henry Stanley. Oui, c'était le même nom. Oui, c'est le même. D'accord. Après, est-ce que c'est le train qu'il y avait dans la boutique McLeod? Je ne savais pas. On sait que dans la boutique, un set de train au Ringstone a été acheté par Randolph Alexis et vendu à Henry Stanley. C'est voir si c'est indiqué. D'accord. Disparu avait acheté ce jouet pour enfant la semaine précédente. Donc le journaliste était bien au courant. Hein. Donc les policiers le savent aussi, je pense. Ouais. Le journaliste. Non, en fait, dans l'article, ils te disent que. Ouais. L'article de journal, c'est indiqué. Que le jouet avait été acheté dans le magasin de Mehmet Pakriat. Voilà. D'accord. J'ai réussi à remettre les mots ensemble. Non. Vous avez fini ou vous voulez encore quelque chose? Vous avez besoin du meublé? Vous voulez que je vous le loue pour une semaine? Ouais, bah, 4 dedans, on sera bien au chaud. Ah bah oui. Avec un seul lit, ça risque d'être compliqué. Si
Eh bien, merci beaucoup, madame, merci pour bien, cette madame. Visite. Et puis, bon courage pour faire louer votre meublé, donc. Ah oh oui, mais vous savez, les meublés où il s'est passé quelque chose de dramatique et de mystérieux, souvent, les endroits comme ça, ça bien. Je pense que je vais doubler, je pense que je vais doubler le tarif. Ça rajoute de la valeur ajoutée. Peut-être penser quand même à nettoyer ces traces de rails, hein. Je sais pas si oui, ça... Oui, je vais le maquiller pas. C'est juste de la poussière en fait, hein. Ou c'est juste de la suie, ouais. Ce que tu m'as dit. C'est de la suie, oui. Ok. Bah, ça me laisse complètement pantoise. Ouais. Est-ce qu'on va voir le train au commissariat dans... ou au commissariat pas. On peut toujours, enfin, oui. Le dimanche. Commissariat, oui. Oui, moi je propose d'y aller. Commissariat de quartier, moi je peux proposer. Acheter le train, par exemple. À mon avis, ils vont le garder comme preuve tant qu'ils n'ont pas résolu le problème. Mm-hmm. Déjà, on arrive à voir quelque chose, ça sera déjà pas mal. Ne présageons pas du plus funeste de notre futur. Allons voir. Donc, vous arpentez un peu les rues de Londres, les rues là-haut du nord londonien. C'est un dimanche, il n'y a pas grand monde dehors, mais vous trouvez assez facilement que le commissariat de quartier, c'est indiqué. Il y a un officier de garde qui est là, qui est derrière son bureau, qui est en train de faire de la paperasse. Moi je reste. Je rentre pas dedans. Hein. Mais à l'écart. C'est un problème, c'est un toc. Ok. Mais il y a un mec qui est là derrière son bureau. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme accroche ? Qu'est-ce qu'on pourrait choper comme accroche ? Nous étions des voisins de palier, peut-être. Ouais. C'est ce que je tente. Je dis, je viens aux nouvelles au sujet, vous le savez, de cet homme qui est parti dans un nuage de fumée. Je suis son voisin de palier et ça m'inquiète beaucoup de ne pas le revoir, cet homme. Est-ce que vous avez réussi à le retrouver ? Écoutez, non, pas du tout, non. C'est assez récent comme affaire, mais non, pas du tout. Vous avez une idée, non bah, ça m'inquiète vraiment, c'était vraiment quelqu'un que je côtoyais régulièrement. D'accord, écoutez, je sais que le sergent responsable de l'affaire a fait quelques enquêtes. Je crois qu'il a cherché d'éventuels défauts électriques dans le train miniature, mais qu'il a rien trouvé, je pense. Crois qu'il a envoyé le train à la London Train Spotter Association pour examiner par un expert. Ouais. Et voilà, mais après, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Ouais. Bah écoutez, vous êtes vraiment très gentil de m'avoir renseigné sur l'état de la situation. Ça. J'en repars un petit peu rassuré. Mais après, oui. Moi, j'insiste un petit peu. Je demande si est-ce que vous auriez trouvé au niveau du train des dysfonctionnements. Parce que moi, ce train m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien m'apporter à cœur. On va voir avec le sergent responsable de l'affaire. Mais est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements électriques au niveau du train Est-ce qu'il a subi des dégâts ? Je m'occupe pas de l'affaire, je suis là juste pour les papiers, enfin accueillir les gens. Après, si vous voulez parler au sergent... S'il vous plaît, vous pourriez m'orienter vers lui. Il va falloir que vous me réussissiez un jet de... Je vous donne le choix entre baratin, persuasion ou droit. Avec un de ces trois-là, il faut que vous arriviez à me le baratiner pour qu'il vous laisse rentrer... On n'a pas le droit d'annoncer nos pourcentages. Hein, comment ça On fait du roleplay, on dit pas moi j'ai 50 en baratin. Non, mais je te demande un jet par contre. Non ? Oui, bien sûr. Non, mais je parle entre nous. Hein. Parce que qui est-ce qui va faire quoi ? On a le droit qu'un seul jet, je suppose. J'en jette un. Ah ouais, après. Un baratin. D'accord. Ok. Fais ton baratin déjà. Voilà. Ouais. C'est un succès normal, ça suffit. Regardez, je crois qu'il est là-bas, il est en train de prendre un petit thé là. Oh, parfait, vous pensez qu'on peut le déranger ? Allez-y, vite fait, je pense que vous pouvez le déranger vite fait, oui, c'est dimanche, il est sous de bonnes auspices. Excusez-moi, juste, quel est son nom ?
Hop là. Je sais pas. Tu fais chier. Ça peut être que français. Allez. Non. C'est Paproki. Oh. C'est Jim Paproki. Voilà. Comment faire chier le MJ? C'est le sergent Paproki. Donc il est là en train de boire son thé. Bonjour sergent. Personne d'un certain âge avec une moustache. Tranquillement. Alors on nous a informé que vous étiez sur l'affaire de cette étrange disparition de ce monsieur Stanley. Ah ouais, ça ouais. Mm-hmm. Je viens vous voir parce que je suis fort intéressé par ce train et je voulais savoir s'il y avait eu des dégâts ou quelque chose. Bah écoutez, nous on a trouvé, on a rien trouvé dans la chambre en tout cas. Moi je suis quasiment sûr qu'il a organisé sa propre disparition parce que dans sa chambre il n'y a pas de traces d'ossements, il n'y a pas de tissu humain, donc il n'a pas été calciné dans sa chambre, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de signe de violence. Tous les coups, il s'est carapaté par la fenêtre. Et pour disparition sacrément spectaculaire ouais, quand même. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin de disparaître. C'est savoir, vous savez, les femmes, les soucis d'argent. Ah, vous avez repéré qu'il était mêlé à des affaires étranges. Non, pas pour l'instant, non. Mais bon, on ne sait jamais. En fouillant un peu, on va peut-être trouver. Après, de toute façon, on a regardé aussi dans le train, mais on a cherché d'éventuels défauts électriques, mais on n'a rien trouvé, quoi. Tout ce qu'on sait, c'est que le voltage était insuffisant pour provoquer une électrocution. Donc, par acquis de conscience, j'ai quand même envoyé la maquette ce matin à la London Transporter Association pour être examiné par un expert en la personne d'Arthur Butter, le président. Il n'a pas été endommagé ? Non. Voilà, après, le jouet fait partie des biens de Stanley. S'il trouve rien dessus, on le remettra à ses héritiers. D'accord. Vous avez remarqué ces étranges traces sur le tapis? Ouais, mais c'est une enseigne. Il devait jouer au train. Je suis quasiment sûr que c'est une mise en scène. Est-ce que, de mon souvenir, pendant que la discussion est en train de se faire, est-ce que tout laisse à penser que le monsieur, l'occupant, est parti, on va dire, de... volontairement, c'est-à-dire il aurait tout rangé ses affaires, il aurait rien laissé, il aurait pas de traces de repas qui seraient restées, par exemple, ou au contraire, il restait encore de quoi non, vivre. De la nourriture, pas forcément, mais t'as l'impression qu'il aurait pu rentrer dans le meublé là, à l'instant, ça aurait rien changé, quoi. Enfin, oui, il y a rien qui a disparu, c'est pas du tout fait d'accord. Comme s'il allait partir. Ok. Et est-ce qu'il y aurait même quelque chose qui pourrait nous indiquer, parmi tout ce qu'on a vu, toujours de souvenirs, qu'il est parti malgré lui. C'est-à-dire, il est en train de faire quelque chose et ça s'est interrompu. Il a pris le train ? Ouais, je sais pas. c'est pas facile à... Il était peut-être pas en train de manger, par non, exemple. Non, il n'y a pas de reste de repas. Il était pas en train de lire, il n'y avait pas un bouquin qui restait ouvert, avec une chaise tirée. Non, vous n'avez rien trouvé de plus en avant que d'autres, ce que je vous disais tout à l'heure, non. D'accord. Ok. Enfin, si jamais vous êtes intéressé par ce train et que vous voulez vous emporter acquéreur, peut-être qu'à l'association ils pourront vous le revendre. Hein. Après, vous avez l'air d'être drôlement intéressé par cette affaire. Donc. Oui, effectivement, c'est un train unique. D'ailleurs, vous savez le modèle de ce train ou que vous avez des informations dessus? Ouais, c'était un. Ah, j'ai perdu le nom. C'était le même que. Enfin, c'était la marque. Enfin, la marque. Oui. Ah, j'ai perdu le nom du train. Un Brighton, c'est ça, oui. Brighton. Ah, oui, c'est bien ce train-là. C'est celui que je cherche. C'est un modèle unique. Bah, écoutez, allez les voir. Hein. Peut-être qu'ils vous le revendront. En tout cas, nous, on a fini nos enquêtes dessus. Eux, une fois qu'ils ont fini. D'accord, pour vous l'affaire est close alors.
Pour moi, je pense, oui, à moins qu'on trouve d'autres indices probants, oui, l'affaire d'ici 3-4 jours sera close. Oui. Je ne vais pas m'escrimer là-dessus alors que j'ai plein d'autres choses à faire. On a assez de boulot sur l'ombre. Entre un professeur qui disparaît, trois cadavres du même nom. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait. Je comprends. Vous avez... D'ailleurs, c'est vraiment un mystère, cette histoire de triplé qui porte le même nom et qui se ressemble presque. Bah ouais, mais j'en connais pas plus, c'est pas mon quartier, donc j'en connais pas plus, je disais ça. Ah ouais. Non, je vous disais ça comme ça. Enfin, je fais très mal du baratin avec ce personnage. D'ailleurs, j'y pense, Monsieur Stanley est installé ici depuis longtemps. Ouais, ça fait quand même assez longtemps qu'il était là, ouais. D'accord, bah écoutez, merci pour ces informations, et puis je vais aller me tourner directement vers la London Transporter Association. Bah oui, bah très bien, ok. Pour le train, oui. Très bien, très bien. Bon. Ok, ouais. Je suis le mouvement. Vous faites comment, vous faites quoi? Vous êtes en milieu d'après-midi? Vous retrouvez. Est-ce qu'on a des chances de trouver l'association? On voit pas beaucoup Gladys et. Ils ont disparu. Ben non. Mais... fort de toutes ces informations, vous faites quoi? Bah, il nous reste que la piste du club de train, je pense. Non, on peut aussi peut-être essayer d'aller voir l'ancien acheteur du train aussi. Ah, l'ancien proprio, tu veux dire? Ouais. Un certain Randolph Alexis. Ah. Mais déjà, il faut qu'on le trouve parce que c'est ça. Sait pas, ouais. À moins qu'il soit. On n'a pas plus d'infos. Compte, mais c'est plus facile de trouver un club, à mon avis, de collectionneur qu'un type. Mais après, on vous peut toujours le chercher. Vous, hein, si vous savez qu'il y a Londres, une mine de renseignements incroyable à Londres. Ou même on marque les histoires des grandes familles, des machins, des trucs. Si vous avez besoin des journaux, des anciennes parutions de journaux, tout ça. Alors attendez, je ne dis pas de bêtises. C'est le British Museum. Le British Museum. On trouve de tout là-dedans. Ah bon, ah bon. Ils sont fous, ces Anglais. Ah bon. Ce n'est pas qu'un musée, c'est alors une ça énorme permet... bibliothèque. C'est ah oui, c'est une énorme bibliothèque. Et tu as des relevés aussi de grandes familles de familles habitant à Londres. Tu as le relevé de l'histoire de Londres. C'est énorme. Ah, tiens. C'est énorme et rempli d'informations. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que nous avons un rat de bibliothèque parmi nous? Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose en occultisme? Un truc à la con. Alors, je sais. Toi, non. Non plus. Toi, non. Ah bah, vous avez personne, en fait. Non plus. Donc, personne n'est occulte. Ok. Ok. Enfin, moi, c'est ce que je vous dis. Si vous avez besoin d'infos à Londres, ce que je peux vous dire, c'est que le British Museum... Vous pourriez même trouver des trucs sur le professeur, sur... Enfin, voilà, c'est vraiment une mine inépuisable d'informations, le British Museum. Si quelque chose s'est passé à Londres, c'est les dernières années, enfin... C'est là-bas que c'est inscrit, quoi. D'accord. D'autres accidents de train ayant mis. Ouais, tout, mais t'as tout. Même la vieille histoire de Londres, t'as vraiment tout là-bas. C'est vraiment énorme comme truc. Mais moi, je pencherais plutôt pour aller essayer de retrouver, de voir en vrai ce petit train électrique. Mais après, pourquoi pas. Intrigant, hein. Non, ça peut rester une autre piste. Attention, accrochez-vous bien. Tu vas aller voir des ferrovipates un dimanche après-midi. Ça. Niveau action, je pense que là,
Je pense que là, t'es au top, tu vas être pile poil dans ton élément. Ah non, mais attends, c'est de la mécanique. Entre aller m'enfermer dans un musée, d'ailleurs, voilà, hein, plein de squelettes de dinosaures et d'autres squelettes, et un truc avec des trains, au moins il y a un peu de mécanique. Je vais forcément aller voir des trains. J'ai 7% en ferrovipac. Ouais, pour info, ça s'appelle des ferrovipac. Hein. Merci, merci campagne de tout, tu nous apprends plein de trucs, je savais pas que ça existait ce mot-là. Ferrovipat. Je ne pense pas que nous allons nous convertir à la ferrovipatie. Ah si. Écoutez, comme vous voulez. Alors, après avoir pris renseignement, je suppose que vous prenez renseignement... Pour savoir où est l'association. Bah, dans l'annuaire. Ouais, bah, vous pouvez trouver chez les flics, en fait, pour vous dire. Ils vous donnent l'adresse, mais bon... Vous regardez sur votre petit plan que j'ai ouvert, c'est complètement de l'autre côté. Pendant ce temps, il y a peut-être quelqu'un qui peut faire des recherches là. À quoi au sud ? Musée ? Je suis pas vraiment un rat de bibliothèque. Mais ouais, ouais, moi je vais essayer peut-être. Ok, donc on dit que pour finir la journée, Reggiani va au British Museum et le Lord Gladys et Yann vont chez les ferrovipates. Voilà. Non, j'accompagne aussi Monsieur Reggiani à la bibliothèque, même si je suis pas très grand féru de okay, livres. On s'en fait deux d'un côté et de l'autre. Ok, impeccable, j'adore ça. Donc on va commencer par les rats de bibliothèque, d'accord ? Ouais. Alors, ce que je disais tout à l'heure, le British Museum, c'est ça. Hop, hop. Wow. Oui, d'accord. Oui, parce que c'est plus des expositions aux étages. Là, tout ça, vous êtes ici, non ? Tout ça, c'est de l'art, c'est de l'art, c'est des bouquins, c'est de l'histoire, et voilà. Ok ? Et en plein milieu, t'as la salle de lecture. En fait, t'empruntes et t'as des réserves de livres, des machins. Tu peux emprunter ce que tu veux, te mettre dans la sac de lecture, et puis voilà. Pas oublier le paquet de chips. T'as des... Tout le monde y a accès. Oui, oui, oui. T'as des trucs sur l'Égypte, ouais. T'as des trucs. T'as des étudiants, t'as les études manuscrits, t'as vraiment plein de trucs, quoi. T'as les magasins de journaux, des bibliothèques. À l'intérieur, je trouve que t'as une dizaine de bibliothèques. C'est vraiment assez. T'as même des trucs qui remontent jusqu'au temps médiéval. T'as un département britannique et médiéval. Donc tu vois, l'histoire remonte assez loin. Et tout ça, c'est que des écrits, des machins. Donc si vous cherchez quelque chose, ça peut vous prendre du temps. Si vous n'êtes pas habitué à aller dans le British Museum. Et ça peut vous prendre des jeux de bibliothèque aussi. Et savoir ce que vous cherchez. Monsieur Reggiani, on est d'accord, on cherche des informations sur le vendeur du train, un certain Randolph Alexis, c'est bien ça ? Peut-être sur le train lui-même. Ah, et sur le train lui-même. Bonne idée. Alors, quoi qu'on a parti. Oui, là, c'est la moitié de la journée, je vous autorise un sujet de recherche jusqu'à la fin de la journée, d'accord ? Si vous voulez avoir un deuxième sujet de recherche, il faudra revenir le lundi, d'accord ? Okay. Ça marche. Donc quel est votre premier sujet de recherche ? Sachant que vous faites chacun un sujet de recherche ou vous cherchez la même chose tous les deux ? Vas-y. Peut-être la même chose pour optimiser nos chances ? C'est ce que j'allais dire. Et tout d'abord sur le modèle du train. Une petite voix qui ressemblait à celle de Lord Richard m'a fait penser à ça. Sur le modèle du train. Ok. Ouais. Le modèle... Ringtone. Qu'en penses-tu, mon cher ami Reggiani? Ouais, on peut faire ça. Hein. Ouais. C'est les propositions. Hein. Ouais. Ok, bah faites-moi un jet de bibliothèque. C'est parti. Library use. Ouf. D'accord. Okay. Raté. Tu vois, Reggiani, tu peux apprendre, en fait, tu apprends en fouillant un peu dans les bouquins,
Donc c'est un vrai train, donc le modèle c'est un vrai, enfin, c'est un vrai train. Une réplique. Enfin c'est un vrai train, c'est une réplique d'un vrai train, pardon. Il a réellement existé, donc c'est pas un jouet, c'est vraiment un truc. Et que en 97, donc en 1897, il y a un train qui était de cette marque-là qui a déraillé alors qu'il était en route pour Liverpool. Et tu sais que l'accident a fait de nombreux morts, ok? Mmh. Ouais, ouais, suite à ça, bah, je cherchais par rapport à l'accident. Par rapport à l'accident. Au déraillement, quoi, bah, savoir tu, un tu peu. Vas trouver ça, hein. Tu trouves rien de plus. Ok? D'accord, on sait pas pourquoi il a déraillé, par exemple. Ils savent pas, ils savent juste que c'est un déraillement, c'est un accident, ils n'ont jamais trouvé la cause. Nombre de mort. Nombreux morts, ouais. Pas de cause connue. Ok. Ça marche. Donc ça vous fait une info okay. Pour l'après-midi, si vous voulez savoir autre chose. Ça vous a pris jusqu'à, jusqu'à 18h ou 19h, je sais plus. 19h. Jusqu'à l'heure. Ouais. Ça vous a pris jusqu'à 18h et après le British Museum ferme. Ok. Ça marche. Bah nous, on va dans notre autre repère. Enfin, dans notre lieu de, de rassemblement. L'Oriental Club. C'était quoi déjà? Ok, chez les Ferrovipates. Donc on a le Lord et Gladys, c'est ça? Oui. Oui. Bon, ma chère Gladys, j'espère que vous connaissez en, en train. Ah ben, je sais pas, électrique, c'est un moteur. S'il en y a tout un cas, moteur, je peux regarder ça. Oh, bah, très bien. Je sais pas, mais vous avez fait, vous faites l'onde de, du nord vers le sud, quoi. C'est. Oui, mais tu nous as pas dit qu'il pleuvait, donc on profite de la belle journée londonienne de dimanche, du coup. Oui, oui, c'est sûr, oui, c'est sûr. En même temps, vous avez déposé, vous avez déposé, vous les avez déposé au British Museum, et puis vous êtes reparti après direction. Direction Lambeth et tout ça en dessous là pour. Non mais j'apprécie la Bentley de du Lord donc ça ne dérange pas. Vous arrivez dans, dans le milieu de la ouais enfin début d'après-midi milieu d'après-midi non oui si ouais, milieu d'après-midi vous arrivez devant donc vous êtes devant le siège de l'association qui se trouve en fait chez le fameux Arthur Butter. À Camberwell. Ok. Donc vous êtes devant une maison, tout ce qu'il y a de plus banal, une maison de quartier, enfin une maison de quartier. Vous faites. Oui, c'est une maison. Oui, oui, c'est une maison. Enfin, c'est oui, oui, non, c'est pas des bureaux ni rien, c'est une maison. Une maison avec un garage de plein pied, voilà. Il y a un peu dans, dans le jardin, il y a un peu de bordel, ou, enfin il y a un peu de bordel, un peu de, il y a des outils d'ici disséminés un peu partout. Bon, il y a pas de train dans le jardin quand même. Non, non. Il draille. Par, par contre, si au-dessus de sa sonnette, vous voyez que vous voyez qu'au-dessus de sa sonnette, c'est une petite sonnette faite en, en fonte, mais en fait, elle a la forme d'un train. Que c'est vraiment dans, dans le petit détail. Et en fait, il y a un homme qui sort. Alors, il ressemble à, hop là, à ça. Il a plus beaucoup de cheveux, le monsieur. Il a entre 40 et 50 balais, on va dire. À peu près à ce que vous en voyez. Vous lui mettez la cinquantaine. Et bah, il sort tout calmement, bien habillé, comme le dimanche. Et il vous accueille, et oui, que puis-je faire pour vous, monsieur, dame? Est-ce que t'as garé ta voiture? Bonjour, est-ce monsieur que t'as garé ta voiture juste devant chez lui? Ah, avec ton chauffeur, ouais. Oui, il a un petit coup, un petit coup d'œil à la voiture, il te regarde. Oui. Bonjour, monsieur Butter, j'espère qu'on vous dérange pas en en ce dimanche. Non, non, je... Nous venons à vous au sujet de ce train que vous a envoyé la, la police de Londres. Ah. Un train fort intéressant. Pauvre, pauvre monsieur Stanley. Oui, 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 oui qui a donc été mêlé au, à la disparition de monsieur Stanley. C'est bien regrettable ce qui lui est arrivé, oui. Bon, vous avez eu le temps d'examiner ce train Eh bien, tu vois qu'il se renfogne un peu.
Tu vois qu'il se renfogne un peu quand tu dis ça. Et alors oui, on a pris, on a examiné un peu le train et on n'a pas trouvé. C'est une maquette magnifique, mais moi j'ai pas trouvé de truc bizarre. Enfin, j'ai rien trouvé d'exceptionnel. J'ai rien trouvé qui expliquerait la disparition de ce pauvre Stanley. Je comptais aller le rendre demain à la police. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil ? Je suis assez intéressé par, intrigué par ce train. Pardon. Bien sûr, si vous voulez, écoutez, il vous fait rentrer en fait dans son garage et là, il vous fait voir la boîte. Il vous le sort de la boîte même, hein, donc ça ressemble à ça. Qu'en pensez-vous, ma chère Gladys ? Est-ce qu'il a l'air endommagé ? Enfin, est-ce qu'il a des traces de suie ou est-ce qu'il a l'air d'avoir souffert ? Non. Mais si vous voulez. Je peux essayer de le mettre en marche juste pour voir s'il marche toujours. Écoutez, moi j'ai essayé là. Après, faut les rails, tout ça. Écoutez, moi ce que je peux, si vous voulez, c'est vous le prêter. C'est un modèle ringtone assez courant. Ouais, il est de bonne facture. Il est courant, oui. C'est pas non plus. Enfin, c'est une belle pièce, mais c'est pas non plus. Un truc exceptionnel. Vous en avez déjà vu des comme ça ? Quelques-uns. Pas beaucoup. Est-ce que vous avez remarqué des différences par rapport à des modèles que vous avez déjà vus ? Non. Et est-ce qu'il est numéroté ? Parce que je sais que les petits trains numérotés, souvent, pour les collectionneurs, ils mettent un numéro de série. Je retourne le train dans tous les sens pour essayer. Alors oui, il y a bien. Je vois un numéro sur le côté là. Oui, il y a bien un numéro de série, ouais. Il doit y avoir un numéro. Oui, il y a bien un numéro de série. Vous connaissez l'historique de. Alors là, franchement, c'est moi tout ce que je sais, c'est qu'il l'a acheté. Il l'a acheté à Londres. La police m'a demandé de regarder s'il n'y avait pas un piège quelconque ou quelque chose qui aurait pu dysfonctionner. Je n'ai rien trouvé. Voilà, après moi mon truc s'arrête là. Vous avez l'air d'être des personnes assez importantes. Il te regarde bien le Lord. Il a bien capté que t'es pas n'importe qui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il te propose, même si vous voulez pas l'emprunter, vous pouvez le prendre. La police après veut le rendre à sa famille, donc je suis même pas sûr que la police va me leur demander ça. Oui. D'accord. Est-ce que vous connaissiez personnellement Monsieur Stanley ? Oui, il faisait partie du club. Depuis longue date. Et vous a-t-il paru étrange ces derniers temps ? Parce que de toute évidence, la police. Il était juste excité de l'achat de son nouveau train, mais qui ne le serait pas ? Rien de. Il était heureux, enfin il était. Oui, il était heureux, oui, mais oui. Pas de choses. Ah, vous l'avez pas trouvé dépressif, il vous apparaît dans son état normal. Oui. Oui, je vous pose juste la question parce que nous avons l'occasion de. Enfin, monsieur le Lord Richard a eu l'occasion de discuter avec un officier de police qui avait l'air de dire que il serait parti volontairement en abandonnant. Son appartement pour de foutaise. Motifs inconnus. Et vous ne lui connaissez pas de raison pour laquelle il voudrait partir dans ces circonstances ? Aucunement, non. C'était quelqu'un de très cordial, de discret. C'est un ce qu'on appelle un vieux garçon. Il n'était pas attiré par la vie en couple. Il était tout seul. Il aimait bien les trains. C'était sa passion. Non. À aucun moment j'aurais pu. Enfin voilà. Pour moi, non, c'est pas possible. Ou alors il le cachait très bien. D'accord. Donc,
ça ne vous embête pas si nous vous empruntons le train ? Oui, faudra-t-il que nous le rendions à la police directement, à vous, à la famille ? Vous bah, écoutez, je... non, mais je vais juste vous faire une décharge, comme quoi c'est vous qui en êtes, qui l'avez pris aujourd'hui, vous faire un papier, vous voulez me signer un papier. Et puis après, bah, je pense que la police n'avait pas dans l'optique de le récupérer, donc après, il faudra trouver la famille, mais je ne connaissais pas forcément sa famille, donc je ne sais pas. Pardon. D'accord. Par contre, plaisir. Le train, c'est facile à le prendre, mais les rails qui font fonctionner le train avec, c'est quand même assez massif. Hein. Ah ouais. En fait, c'est un circuit, c'est un circuit en forme de 8. Ah bah oui, parce qu'il faut les rails qui vont avec, sinon ton train. Voilà, il y a pas de décor, il y a rien, c'est juste des rails. Mais il y a certaines rails qui font varier la hauteur de la voie, quoi. Donc, il y a une grosse pile. Enfin, tu peux arriver à le mettre, tu peux arriver à le mettre dans le coffre. Dans le coffre. Ouais. Vous faites quoi ? Bon, on le prend. Ok. On va jouer au petit train ce soir. Quand vous le mettez dans le coffre, en fait, vous avez regardé bien le train, il y avait rien, mais par contre, sous la grille de le rail de départ, en fait, sous la planche du rail de départ, il y a un mouchoir, on dirait un mouchoir de gentilhomme. Tiens. J'ai pas entendu, c'était sous la planche. Sous le rail de départ. En fait, les rails, en dessous, les rails, t'as des planches. C'est pour ça que c'est assez imposant. Ok. D'accord. Et donc, sous le rail de départ, ce qui ressemble au rail de départ, là où tu mets ta petite locomotive pour la faire tourner, en dessous, il y a un mouchoir. C'est un mouchoir de gentilhomme un peu brodé. Un peu pas un peu brodé, mais... Est-ce qu'il y a comme initiales ? R.A. Oui, les initiales R.A. Ouais. R.A. D'accord. Bon, c'était pas celui de Monsieur Henri, du coup. Randolph Alexis, peut-être ? Ah. Ah oui. Le vendeur. Peut-être. Effectivement. Donc il vous fait signer une décharge comme quoi c'est vous qui êtes qui avez le train pour l'instant. Et voilà, après. On se rend sur le lieu de, au lieu de rencontre. Ok, donc vous trouvez le soir à l'Orient Club. Oriental Club. Vous faites encore rentrer cette demoiselle, Lord. Elle est avec moi. Très bien, très bien. Je ne fais juste qu'un magnifique sourire et je suis mon ami. Ok, donc tu as une maquette de train dans ta voiture. C'est ça. On va peut-être pas la monter à l'Oriental Club quand même, ça m'étonnerait que ça leur fasse plaisir. Attendez, j'ai un truc sympa pour emmener les verres sur les tables. Ok, on fait part de nos découvertes les uns des autres. À l'air clair, comme on les joue ensemble. Moi, je commande un bon saumon. D'accord. Pour le soir. Parce que j'aime bien le poisson. Oui. C'est bon pour la mémoire. Et est-ce que le soir même, vous avez prévu de faire quelque chose ? Ben non. Enfin, pour ce qui me concerne. Manger du poisson, a priori. Et jouer au petit train. Oui. Ah oui, tiens, faut le mettre en route, ouais. Ah oui, après, oui, pour le mettre en route, de toute façon, je pense qu'il démarre, mais pour installer les rails, je sais pas. Bah, chez Lord, il y a de la place. Hein. Oh oui, qu'est-ce qu'il faut ? Faire un test. Ah oui, je me prends au jeu d'essayer de monter un circuit avec tout ce qui a été rassemblé. Si Lord Richard nous invite dans son salon, nous allons lui faire avec plaisir. On fait le tour de la statue du Lord, déjà, dans un premier temps. On monte sur le buffet du 8e. On redescend par le guéridon, style Louis XVI. Après, surtout, ce modèle-là, je ne sais pas, mais il y avait des petits trains électriques avec un réservoir de vapeur. Donc, tu mettais un petit peu d'eau, ça te faisait vraiment de la vapeur. Ah, même oui. S'ils étaient électriques. Alors, je ne sais pas, ce modèle-là, j'essaye de voir si oui ou non, il fait de la vapeur. Écoute, on dirait devant que c'est quand même une réserve d'eau, là. Normalement, ouais. Ouais, les petits trains comme ça, une petite réserve d'eau
qui est juste par la cabine du conducteur là. Tu remplis et en fait quand tu l'allumes, t'as un petit truc et en même temps que ça avance. Alors après moi l'image que je t'ai fait voir est pas forcément tirée, c'est un truc que j'ai trouvé. Donc, c'est ce qui ressemblait le plus à la description que j'ai vue sur le bouquin. Donc ouais. Pas non plus. C'est un truc si à pire. Regarde... Mais de cette époque là. Si on regarde le modèle réduit. Non, juste savoir si on regarde le modèle réduit un petit peu sous toutes les coutures, il y a rien qui apparaît. Un truc caché, tu vois. Fais-moi un petit jet de toc. Le mouchoir qu'on a trouvé. Allez, on l'examine du coup. En fait, oui. Vous regardez, mais il y a aussi des locomotives. Vous n'avez pas forcément fait attention. Alors, en fait, tout le monde avait regardé plus ou moins la locomotive et le tender. Donc le tender, ah, c'est là où il y a le charbon. La locomotive, le tender. Mais en plus, il y avait deux wagons avec. Et quand tu retournes les wagons, en fait, tu vois que en dessous, il y a des espèces de pas des hiéroglyphes, mais il y a des symboles bizarres. Aha. C'est gravé sous les châssis, en fait. Alors, je dis des hiéroglyphes, c'est pas des hiéroglyphes, mais des symboles que tu ne connais pas. Ça te dit rien. T'as jamais vu ça. Tu vois, c'est des espèces de triangles mélangés dans des croix, mélangés. Tu sais pas ce que ça peut être. Des pictogrammes, mais jamais vu. C'est gravé, ouais, c'est ça. Gravé, ouais. C'est ajouté. Ce sera intéressant de voir si on trouve des traces à la librairie, au British Museum de ces pictogrammes-là. Sinon, il faudra demander à Butter, hein, peut-être. Et il a eu l'ordre de nous dire que c'était un modèle courant. Il l'a examiné, ça lui a pas sauté aux yeux non plus. Donc, je pense pas que ça soit de série, à mon avis, sur ce genre de train. Ok. Mais il fonctionne le train si on essaye de le faire marcher? Ah bah ça après, marche, non mais je sais, oula, vous faites ça où, comment? Parce que moi j'essaierais bien de le faire fonctionner. Oui bah oui, oui, je pense que ça vaut le coup. Faites comment? Maintenant qu'on a monté des rails quand même, Bon, ça c'est chez moi je pense. On est dans le salon, c'était juste en prévision, d'accord. Donc vous avez quitté l'Oriental Club et vous êtes arrivé chez le Lord, donc vous êtes dans une demeure assez exceptionnelle. Voilà. Avec des fleurs, des machins, des servants, enfin des gens qui vous demandent si vous avez soif, des trucs comme ça. Des majordomes, pas des servants. Pardon. Oh, toi là, servant. Majordome, pardon. Okay. Et on essaie de mettre en fonctionnement le petit train. Installer le train, oui. Pour nous occuper la soirée. Ok, bah en fait, vous arrivez à mettre les rails, enfin, un enfant y arriverait, hein. Est-ce qu'on peut même mettre du whisky écossais à la place de l'eau et faire distiller. Si tu veux, oui, parce que qu'en fait c'est relié juste. En fait, t'as une grosse pile qui fait tourner le tout. Et voilà quoi. Après, tu fais donc le rail. En fait, une fois que vous arrivez à l'assembler, ça monte, ça descend. Et il y a des montées, il y a des descentes et. Alors le rail, je fais attention qu'on l'oriente nord-ouest-sud-est. D'accord. Tu peux dans la même direction où il était dans la pièce. Est-ce que vous attendez à quoi là? On fait des tests. On joue avec un train à 4 par terre pour l'instant. Je vais me faire un petit jet de santé mentale. Ça me semblait pas bien là quand même. Est-ce qu'il y avait un décor? Est-ce qu'il y avait un décor de non, livrer aucun avec... décor. Juste des planches, okay. Des rails, locomotives, tender et les wagons. Trois wagons. Pardon. Et j'en profite aussi, je fais une copie au crayon. Tu sais, je parpose une feuille des symboles, des pictogrammes qu'il y a sous le train. D'accord. Bah, vous faites ça et puis je suppose que. Tu fais ça dans quelle pièce? Décris-moi la pièce où tu fais ça. Dans le jardin? Dehors? Non, dans le salon. Dans le salon. D'accord. Ton salon, il est grand, oui. Je suppose. Où je dois avoir une salle de réception, ou de. Ouais, sûrement.
Donc vous êtes là, et je sais pas quelle heure il est, il doit être 21h, un truc comme ça. C'est après dîner que vous avez fait ça, c'est ça? C'est votre amusement pour après dîner, 20h, 21h? Probablement, oui. Ok, bah, le temps, ouais, on va faire ça, le temps que vous montiez tout le petit truc, il est 21h, et puis bah vous avez monté la pile, le machin, vous avez plus qu'à, en fait, vous avez plus qu'à actionner pour que ça parte. Ah, moi, je fais partir le train. Ok, alors le train... Ma chère Gladys. Je passe une petite flamme au-dessus de la cheminée pour, avec le whisky écossais, ça. D'accord. Bah, vous voyez que le train, bah, il démarre, il marche très bien et il fait un tour, deux tours, trois tours, quatre tours. Il pète le feu. Ça marche. Ça pas de marche. Tentacule qui sort comme ça. Pas du tout. Pas du tout. S'il fait, enfin voilà, ça fait 10-15 de tours que vous le voyez tourner sur la petite maquette, quoi. Bon, mais c'était marrant. Il nous faudra une deuxième locomotive pour faire des accidents au prochain coup. Ok. Ok. Bon, bah après ce divertissement bien agréable. Bon, parce que là, le train il tombe toujours. Mm-hmm. Ah, bah, j'arrive. J'arrive pas à l'arrêter. J'arrive alors, pas à l'arrêter. Tu veux arrêter le levier qui vient actionner la pile, t'as beau l'actionner, le train continue. Ça ne marche pas. C'est pas moi qui est cassé. C'est pas moi qui mets du whisky dedans. Hein. Ah, ouais. Mais je pense pas que c'est un lien. Où t'en vas-tu comme ça? Où t'en vas-tu comme ça, Gladys? Bah, c'est tout, moi. Ah non. Faites-moi un jet de... Je sais pas comment ça s'appelle en anglais, je vais le trouver. Listen. Écoutez. Listen. Listen. Oh là, il y a une chier de dé qui est partie en même temps. Raté. Réussi. On a du hard success, on a du réussi. T'entends au loin, enfin, ceux qui ont réussi, vous entendez au loin comme un toutou, 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 avec un bruit qui vient de l'extérieur. Qui vient d'où? T'arrives pas à le déterminer, c'est hyper faible. Au début, tu penses que c'est le train miniature, tu vois, qui fait son bruit normal. Mais là, ça fait, ouais, on va dire que ça fait 20-25 tours, vous l'avez regardé faire, et il y a quelque chose qui vient superposer au bruit. Tu vois? Au bruit qui fait normalement, l'impression de. D'un train, de oui, le bruit d'un train sur des. Oui, le bruit d'un train sur les rails, quoi. Et il est loin ce bruit? Non, parce que en fait, quand vous vous concentrez dessus, c'est comme on fait quand on concentre un bruit pour savoir d'où il vient, vous apercevez que plus ça va, plus il vient fort, en fait. Tout le monde, vous pouvez voir que. Attends. Tout le monde, vous pouvez voir que les rails se mettent à briller. On shoot dans le train. Bah là, c'est un mini-train là que t'as devant toi. Hein. Donc tu peux pas. Shoot dans le train quand tu même. Shoot dans le train. Pour le faire dérailler. Shoot. Ouais, pour le faire dérailler. Tu n'y arrives pas. Quand tu mets ton pied à travers, ton pied, en fait, il passe à travers. Il y a autre chose qui attire, quand on regarde le train, quelque chose qui attire l'attention. Ouais, parce que plus ça va, plus vous entendez le bruit d'un aiguillage. Et il y a t'as l'impression que dans ta pièce, dans ton salon, d'un coup, il y a de la vapeur. On va peut-être pas rester là. On s'en va. Quand vous en allez de la pièce, en fait, vous voyez un train apparaître. Enfin, vous voyez la locomotive et un Thunder en version réelle apparaître, qui apparaissent dans le salon du Lord. Ok. La pièce est remplie de fumée. Le wagon et la locomotive et le tender redisparaissent dans l'autre mur. Et derrière, il y a deux locomotives. Et là, ça s'arrête. Le train s'arrête. Devant vous, vous avez une voiture. Une voiture. Et vous allez déjà me faire un petit jet de santé mentale. Je vois pas pourquoi. Parce que là, actuellement, t'as un train dimension réelle dans ton salon. Ah bah tiens. Ok, c'est moi qui lance le dé. Donc ceux qui ont loupé, hop, vous perdez 5 points de santé mentale.
Ceux qui ont réussi vont en perdre un quand même. Quand même. Et ceux qui ont fait un extrême succès, on perd un quand même. Ça serait bien tenté. Devant vous. Devant vous. Parce que je suis. Enfin, moi je vous vois presque à la porte. Et puis en fait, vous êtes plus surpris qu'autre chose parce que le train vous a pas écrasé en fait. Hein. Il est passé, il y a des rails. Devant vous, il y a une locomotive de train. Et à l'intérieur de cette locomotive, les portes s'ouvrent en fait. Vous reconnaissez le train, c'est exactement le même que sur la miniature. Ok. La pièce. C'est pas la locomotive. Pardon, hein. C'est pas la locomotive. C'est le premier wagon. Le premier wagon après le tender. Les portes s'ouvrent du wagon et vous voyez apparaître. Là, vous voyez apparaître. Henri. Vous voyez apparaître. C'est pas du tout dans les notes. Hop là. Pas mon fichier pas ouvert. Juste deux secondes. Juste Stanley. Vous voyez apparaître ces personnes-là. Des personnes, plusieurs personnes. Vous voyez une femme des et personnes. Deux hommes qui sont couvrent la porte du wagon et vous pouvez remarquer qu'ils sont habillés à la mode 1890, on va dire. Vous voyez bien qu'ils détonnent par rapport à vous. Ils sont en train de descendre du train comme s'ils étaient sur le quai d'une gare. Puis ils s'approchent vers vous. À quelle heure arrivons-nous à Liverpool? Où est le contrôleur? Quelle est la cause de ce retard? Pourquoi le ciel est si nuageux tout d'un coup? Est-ce qu'il y a un train derrière nous? Mon mari devait le prendre. Vous voyez qu'ils s'approchent de vous en fait et ils sont en train de tourner autour de vous. Et surtout de tourner autour de... C'est Gladys qui a actionné le train. Hein. Ouais. En fait, ils se rapprochent plus de toi et ils arrivent vers toi. Ils te posent plein de questions comme ça. C'est bizarre, quoi. Et avant que t'aies le temps de dire ouf, ils te regardent, ils t'encerclent. Mais ça dure une demi-seconde. Vous avez l'impression qu'ils ont même pas marché entre la descente du train et arriver jusqu'à vous. Ça dure une demi-seconde et ils sont en train de tourner autour de Gladys. Ils sont en train de dire venez avec nous, venez avec nous, venez avec nous. Non, je les empêche. Oui, je prends Gladys par le bras et je la tiens. Et moi, j'empêche les gens de l'attraper. Et de toute façon, je reculerai, oui, en première intention. Est-ce que tu es maître de toi? Non, je comptais me présenter, mais apparemment. Mais vous voyez qu'il, enfin, il a. Il l'embarque. Il l'embarque pas, en fait. Il l'entoure juste. Il l'entoure et il leur dit mais venez avec nous. Venez avec nous. Et ils sont pas méchants physiquement. Hein. Ok. Mmh. Bah, je dis, faites-lui un peu d'air. Mais il faut. Faites-lui un peu d'air, laissez-la respirer. Nous. Ah bon? Et je commence à me diriger vers eux. D'accord, bah en fait, vous voyez qu'en moins de 2 secondes, il y a. Enfin, moins de 2, ouais, 2-3 secondes, quoi. Ça va assez vite. En fait, vous les voyez pas marcher, c'est comme s'ils flottaient. Et vous voyez qu'aussi, hop, d'un coup, ils se rentrent dans le wagon. Et ben, y a que Gladys qui est avec eux. Et ben non Bon bah on y va. On y va. Allez, on y va.